Monsieur Lalouche. Monsieur le maire, bonjour, Alain Aubry. Madame la présidente du comité des fêtes, bonjour. Aujourd'hui, donc, c'est la soirée disco. Eh bien oui, c'est la soirée disco. On est enfin heureux de pouvoir se retrouver un peu entre Ménilois sur l'invitation et la proposition d'organisation du comité des fêtes. Enfin, même si on commence à reparler un peu de repose de masque à l'école, etc., on est quand même très heureux de pouvoir se retrouver ensemble et de fêter, j'espère, un post-Covid. Alors, pourquoi la soirée disco, alors? Pourquoi disco Bah déjà, ça aurait dû avoir lieu avant le confinement et on a dû tout annuler. Et puis, on a reporté cette soirée qui démarrera tous les événements en espérant que ça continuera cette soirée. Bah, disco parce que tu es D-I-S-C-O et que c'est toujours très entraînant. Et puis, sans être d'un âge canonique, moi, ça me rappelle des bonnes années. Donc, voilà pourquoi la soirée disco. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a au programme, alors, ce soir? Alors, au programme, on a commencé, il y a l'orchestre, qui est Craig Orchestra. Nous organisons une soirée paella, suivie de salade, fromage et dessert. Et puis, de la bonne musique, ainsi qu'un photomaton, où que les gens auront des souvenirs pour faire des photos de famille ou amis. Combien de convives? Vous avez un nombre 150 convives. 150 convives. Voilà. Et puis, une soirée qui bouge, quoi. Donc, les prochaines fois, faites attention aux affiches et venez au Ménilamelot à nos soirées. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, écoutez, buvons un coup, faisons les fous, bonne soirée à toutes et à tous.